On se retrouve pour un nouveau numéro de Faites le Papier. C'est une nouvelle fois l'Hippodrome de Paris-Vincennes qui accueillera le Quintet Plus, le prix d'America Race is the Turf Q2. Course pas évidente à déchiffrer, mais moi je suis parti sur le numéro 15 étonnant. C'est tout simplement le meilleur cheval d'âge. Il l'a prouvé tout au long de l'année en remportant la bagatelle de 3 groupes 1. Il arrive avec de la fraîcheur et même ferré, il se présente comme le cheval à battre. Pour la victoire, je vais lui opposer le numéro 14, Flamme du Goutier. Elle a réalisé un superbe meeting d'hiver l'an passé. Elle ne cesse de monter en puissance, comme l'atteste de sa récente fin de course, comme vous pouvez le voir à l'image. Si le déroulement de course lui est favorable, elle peut obtenir son billet pour la Belgique. Je poursuis avec le 7, Décoloration. Il ne faut pas la condamner sur son récent échec dans la Q1. Son driver a été beaucoup trop offensif ce jour-là. Avec un parcours à l'économie, elle peut en doubler plus d'un pour finir. Le 5, Hussard du Landré. C'est une véritable barre de fer. Il a passé le poteau en deuxième position la dernière fois. Il a été rétrogradé après enquête. Une nouvelle fois pieds nus, attention à lui. Le 16, Vivid Waisas. Le protégé d'Alessandro Gocciador reste sur un beau succès en Italie. Même s'il est plus performant sur les parcours réduits, il peut rentrer dans la combinaison gagnante du Quintet Plus. Je conclue ma sélection avec le numéro 12, Hooker Berry. Sa performance dans la Q1 est excellente. Il s'était retrouvé beaucoup trop loin ce jour-là. Attention à lui, s'il se retrouve près des premiers, il peut réaliser un numéro. Mon ticket, j'ai opté pour une formule combinée avec le 15, le 14, le 7, le 5, le 16 et le 12 pour un montant de 12€. Comme indiqué précédemment, c'est une course qui est très ouverte. En tout cas, pour retrouver mon analyse détaillée ou les interviews des entraîneurs ou d'autres informations sur cette course, rendez-vous sur le site equidia.fr. Bon jeu à tous!